Candy Deschamps de Howl, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit haul imprévu. Tout à l'heure, j'ai reçu un colis. Je venais de me réveiller et j'entends la sonnerie de l'appartement. Du coup, je me dis, bah c'est le facteur, je me dépêche, j'avais un pull, donc je le baisse un peu pour qu'on voit pas mes fesses, tu vois. J'arrive, j'ouvre la porte et là, le facteur, c'était un prince de Disney, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode, ouais, le mec est ultra BG, c'est le genre de type que tu mets dans ton van et tu pars à 20 000 km avec sans sa permission, tu vois. Et donc, je suis en train de lui parler avec des petits cœurs dans les yeux. Je rentre en disant ouais t'es trop fort. Je passe devant le miroir et là qu'est-ce que je vois? J'étais le sosie officiel de l'oncle Fétide. Je veux mourir. Je sais même pas d'où vient le colis mais bon, on va discover ça together, n'est-ce pas? Allez. Un petit coussin pour se protéger de la bien trop sous-estimée angine d'anus. Bon, ben, voilà. Ok. Bon, et bien, on va pouvoir commencer ce unboxing. J'ai reçu deux colis. Alors, comment t'es ventré sans t'abîmer? C'est toujours la question que je me pose. Je vois de la laine. Aurais-je enfin commandé des vêtements d'hiver? Après toutes ces années? Dire qu'avant je voulais être thanatopracteur, j'aurais tellement fait de dégâts. Qu'est-ce que c'est? On a un petit tote bag ici, Lupsona. Bah, ils auraient pu mettre les vêtements dedans, ça aurait épargné un petit peu de... beaucoup en fait, de plastique. Le marketing, mon ami, le marketing. Ça me servira de sac de course. Enfin, c'est un joli cadeau. Oh, c'est doux. C'est très très doux. C'est hyper large, je me rappelle même pas avoir commandé ça. Super. J'ai l'impression de... Pourquoi je fais toujours ça? Mec, c'est tellement large, je sais même pas si ça va être genre... Vraiment? Si, ça va être genre vraiment trop large, Matza. What the fuck, man? Guy, je fais pas 3m20, hein. Bon, on va voir ce que ça donne une fois mis, parce que là... I don't know. Comme dans les films de zombies, frère. Wouh! Encore un pull énorme. Et... Norme. Alors ça c'est un truc que j'adore, genre quand les pulls ils peuvent te servir de robe, c'est genre tellement parfait, t'as pas besoin d'avoir de pantalon dans ta vie, t'as pas besoin d'avoir de jupe, t'as juste à avoir des pulls. Alors il y en a un grand destin. Ok, c'est maintenant qu'on éventre le bébé, j'ai commandé un pantalon. De toute évidence j'en ai commandé deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Je comprends pas ce que c'est. Comment ça marche? Quoi? What the fuck? Keep doing what you love. 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 Mm, yeah. Oh, je pense que c'est la bonne taille. What happened? Oh oui. J'ai pris la taille 2. Ok. Florence, voyons, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on commande des trucs de mamie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je vois. Je vois, c'est pour Instagram. La ceinture, elle avait des petites tassels au bout. C'est vraiment super joli. Ça va très bien aller dans mon feed. C'est parfait pour l'été. Donc en fait, c'est un legging, patte d'éléphant, en peau de serpent. En fait, je trouve ça très joli et en même temps très laid. Qu'est-ce qui m'a pris? Alors ce t-shirt, je l'ai vu sur plein de sites et à chaque fois je me disais non, je vais pas craquer pour ça, c'est tellement cliché, ça fait vraiment pétasse, nanana. Et finalement, un jour je l'ai vu, j'ai rigolé et je me suis dit allez je le prends. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai tellement envie de le porter à l'arrière d'un van avec la mer derrière et tout. Sauf que j'ai pas de van et que ici la mer elle est moche. J'ai tellement hâte d'essayer la robe, j'ai tellement hâte. Au niveau de la taille, ça me paraît bien. Taille 34. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un... Oui, trop cool. Génial. C'est un pad d'éléphant un peu abîmé sur le bord. Ça me fait vraiment penser à quand j'étais jeune ado. Et je portais des pads d'ef comme ça qui traînaient dans l'eau, qui finissaient par se déchirer. Vous savez, il y avait plein de trous ici, etc. Et du coup, ça me fait vachement penser à ça, le fait qu'ils sont un peu abîmés sur le bas. C'est génial. La qualité du jean, c'est vachement bien. Vraiment, les coutures sont nickel. Jusque là, je réalise que les vêtements que j'ai reçus, ça ressemble vachement à la qualité de chez H&M ou quoi. Ou même ça, ça pourrait être carrément un jeans très cher parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Oh, tu es la même chose mais en foncé. Oh, j'ai pas de personnalité. Oula, ça semble fin. En tout cas, au niveau de la couleur, il est très 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 beau. Et une fois encore, au niveau de la qualité, on est parti sur du bon. Les coutures sont incroyables. Oh, bref, hein, toi-même, tu sais. Ok, dernière pièce avant les essayages. Il s'agit de la fameuse robe qui m'a fait genre ah quand je l'ai vue. Oh, Seigneur, Seigneur Dieu, dites-moi quelle est à ma taille. Si elle est pas à ma taille, je pleure. Oh mon Dieu, je pleure tant. Oh, qu'elle est belle. Oh, God, que c'est beau. Waouh.
Non mais elle est grave belle, hein. Oh my gosh. Oh là là. Bon, après c'est pas ultra bien coupé au niveau de la dentelle ici. Ça aurait pu être découpé avec un peu plus de précision. Mais tout le reste est de très bonne qualité. Les impressions sont très très bien. Encore une fois, les coutures sont nickel. Je suis plutôt agréablement surprise. Oui, oui. Maintenant, on va passer aux essayages. Et on va voir si c'est la bonne size ou pas. Voilà, frère. Alors je suis en vêtements de yoga en dessous parce que je vous avais mis sur Insta que j'allais faire une semaine de yoga et vous montrer les résultats ici sur YouTube. Du coup, ben, je vais commencer juste après ça. C'est pour ça que je suis comme ça. On commence dans l'ordre par le pull qui m'avait l'air ultra, ultra trop large. Je vais allumer ça aussi. Non mais le truc ultra large, c'est si doux à l'intérieur, j'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un chat. En fait ça va parce que vu que c'est resserré au niveau des mains, ça fait juste une espèce de lanterne, vous voyez, c'est assez cool. C'est extrêmement, extrêmement doux, confortable et chaud. Moi qui ai très vite froid, là franchement ça m'a donné un petit coup de chaleur et de douceur intégrale. T'imagines rentrer comme ça dans une petite jupe en cuir. Oh oui, j'aime beaucoup. Oui, j'aime ça. Je vais essayer ce pantalon-là, j'espère sincèrement qu'il est à ma taille. On prie tous les seigneurs de la terre, du ciel et des enfers. Ouf, je rentre dedans. Merci tous les seigneurs des enfers de la terre et du ciel. Allure, c'est bon, hein. Oh, on n'est pas sur un gramme près, merde. Hein. T'es rentré dedans, t'es dedans, c'est bon, hein. Putain, pourquoi j'ai mis des faux ongles? Yes. Eh ben, il est pile ma taille, regardez-moi ça. C'est incroyable. Est-ce qu'il me fait des jolies fesses? Boupou, boupou. Bon, par contre, un petit détail, c'est qu'il est assez long. Donc, clairement, faut le porter avec des talons. Hein, parce que si je le porte à plat, je marche dessus. Bon, du coup, ça augmente l'effet 2000. Clairement, c'est très joli. Ça va très bien ensemble. J'aime énormément. Oh, je suis trop fan. Pipiri-piri-ba-ba-ba. Oh bah là c'est clair que on est en mode Ariana Grande, hein, frère. Y a plus qu'à avoir des chaussures qui vont jusque là. Celui qui trouve pas ça beau, c'est qu'il est moche. Il est vraiment long en fait, c'est vraiment parfait. Exactement ce qu'il me faut. C'est vraiment très cool. Oui, j'aime beaucoup, là là là. Troisième article validé par le jury. Ah, j'ai l'impression que je me transforme de plus en plus en Shakira. Alors, je mets un bras. Ici, j'ai l'impression que c'est un test de QI, mon gars, ce truc. Cherche la logique. Quand tu l'auras trouvé, ça voudra dire que tu es... Ok, c'était peut-être pas ça. Ou alors c'est ça. Ah, j'aime beaucoup. La taille est parfaite. C'est nickel avec le pantalon. Et encore une fois, j'ai l'impression d'être Shakira. Ok. Ouais, c'est nickel. Je vais l'essayer avec le short. Non, il n'y a pas de trou. Ouais, bah c'est mon couteau magique. Ouais, bah il y a un trou. Hein, les gens, quand ils disent « Ouais, il n'y a pas de trou, c'est vraiment de la merde. Je sais pas quoi faire avec mon pantalon maintenant. » Je joue là genre en mode « Coupe. » Comment vous faites les gens qui portent des faux ongles depuis des années? Genre déjà pour fermer un bouton, mais surtout pour vous torcher le cul. Parce que moi, je suis en galère, hein, les gars. Je vais me torcher genre avec cette partie de mon corps. J'ai jamais fait ça. Bon, du coup, c'est cool parce que ça peut aller à plusieurs sizes. Ça peut aller jusque M. Je crois, ou S. Je sais pas trop quelle taille je fais, donc ne m'écoutez pas trop. Ouais, il est pas mal, ça manque d'une ceinture. Il est pas trop court, il est juste tout pile, faut pas plus, hein, sinon on va tout voir. Et au niveau du t-shirt, je trouve bien, vraiment. Attendez, j'ai envie de faire un truc, genre comment j'y mets en primaire. Voilà, pourquoi je trouve ça cool? Ah non, j'aime beaucoup comme ça. Ouais. Ça me saoule déjà, il y a plein de boutons, on fait chier. J'ai envie de m'arracher les ongles avec les dents. Bon, on disait qu'il était attaché. La flemme. J'aime bien, vraiment. C'est très beau. C'est très sympa. Imaginez-le fermé, hein. Ça fait très Instagram star. J'aime bien. J'ai l'impression d'être à deux chameaux. Et je m'envole. Hein, j'aime beaucoup. Qualité au top. C'est très très doux comme tissu. Vous savez, les petites écharpes en soie, les petits foulards, c'est exactement la même matière. J'apprécie beaucoup. Non. Laissez-moi sortir de là. S'il vous plaît, les ongles. J'ai l'impression d'être une cagole de 50 ans. Vraiment. Je sais pas ce que je dois en penser. Qu'est-ce que j'en pense? Rien?
On oublie, on fait comme si ça s'était pas passé. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, libérer les prisonniers. Oh, ça me casse les couilles, la la la. C'est vraiment chiant comme t-shirt. Oh, j'arrive pas. Quoi? Dans quel sens ça se met? Putain, va baiser ta mère. On va tester au hasard. Si ça marche, je suis un génie. C'est génial. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Je comprenais pas. Ça fait un peu chagasse, mais c'est très joli. Alors, ce qu'il faut espérer pour ce t-shirt de nuit, c'est qu'il soit assez large que pour couvrir mes fesses. Oui, c'est parfait. C'est vraiment un t-shirt de nuit, j'adore. Oh, c'est génial. Chaton, tu peux mettre du lait dans mon café, s'il te plaît? Merci. Oh, je vous jure, je vais être déçue, c'est pas ma taille, je vous jure, parce que là, pour le coup, il y a... Ok. On va tous baiser vos mères avec vos faux ongles de merde. Oh. Putain, sa chienne de merde, baisse-la fort. Bouffe ton père, quoi. Oh, j'ai envie de griffer les yeux jusqu'à ce que tu sois aveugle avec tes ongles de merde. Ma nénée a envie d'en avoir, mais maintenant, je sais plus me torcher. J'ai envie de me décéder. Un pantalon à ma taille, sert un peu au niveau de la chatte. What? Non, j'aime beaucoup. What the fuck? Ouais, c'est sympa. Ça fait penser à ma soeur quand elle mettait des colliers ras du cou, des crop tops et des pantalons comme ça. Attends, on dirait trop ma soeur, quoi. Moi, je vais écouter du Nirvana. Ouais, on dirait vraiment elle. C'est le moment où on essaye la robe. On croise les ongles. Ouh. Oh, thank you. Thank you so much. C'est pas ma taille, je me suicide. Elle est à ma taille. Je suis ultra fan. Ah, c'est juste dommage que ça, ce soit du fake. Ça aurait été bien de pouvoir la resserrer. Ah non, là, clairement, on est parti de la robe gigabelle. Je suis trop fan. Est-ce que j'ai pas l'air d'un cadeau comme ça? Je suis ton cadeau d'anniversaire. Oh, derrière, c'est beau aussi. It's perfect. Perfect. Bon ben voilà, on part sur une commande parfaite. Bon et bien voilà mon petit Wistiti, on est clairement parti sur une commande de qualité. J'ai commandé que du S et du XS et tout était à ma taille. Donc vraiment les tailles sont hyper respectées. C'est pas comme les sites où je dois commander du L ou du M. Mec, je fais pas du L en fait, comment t'expliquer? Là clairement tout était à la taille indiquée. C'est assez fou. Et au niveau de la qualité, on est vraiment parti sur de la top top qualité et à des prix vraiment raisonnable pour des vêtements assez uniques que tu trouves pas forcément ailleurs. Du coup bah je te conseille à mort de chez Fond, à mort de chez Fond, ce site internet qui est vraiment très 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 bien. Sur ce mon petit Wistiti, je t'invite à t'abonner à mon Instagram si jamais tu aimes les photos, si t'as envie de me suivre aussi parce que je suis beaucoup plus active là-dessus, je fais des stories à peu près tous les jours, je poste tous les jours, du coup bah si tu veux voir ma gueule, si tu me supportes à ce point-là, abonne-toi à mon Instagram, n'hésite pas à faire un tour sur mon Tipeee puisque c'est ce qui pourrait financer mes voyages et augmenter la qualité de mes vidéos, de mes vlogs, etc. Donc ce serait vraiment vraiment du pur plaisir que vous puissiez m'aider. Sur ce, mon petit Wistiti, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si tu l'as aimé, à t'abonner à la chaîne si c'était pas déjà fait. Et je te fais des gros bisous et je te dis à n'importe quoi dans n'importe quoi, bonne vidéo. Salut.